Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Direction les glaciers de l'Étendard à Saint-Sorlin-d'Arve, où d'importants travaux sur les conduites d'eau ont lieu depuis le début de l'été. Direction le col de la Croix de Fer, au pied du glacier de l'Étendard à Saint-Sorlin-d'Arve, où sont menés d'importants travaux de rénovation de conduites d'eau potable. Les trois vannes de vidange actuellement présentes sur le site du lac Blanc et du lac de Bramant vont être changées. À l'occasion de la visite de la sous-préfète du canton de Saint-Jean-de-Maurienne, Karima Huneau, l'équipe des travaux nous ouvre les portes du chantier. Un barrage est équipé d'une vanne de vidange. Cette vanne de vidange, si elle est plus opérationnelle, ne peut plus permettre, en cas de risque de rupture, de ruine du barrage, être ouverte. Et donc du coup l'enjeu il est vraiment sur la sûreté de l'ouvrage. Si on venait avoir un séisme par exemple et qu'il y avait un risque de fragilisation du barrage, on viendrait vite ouvrir cette vanne pour délester l'eau et enlever la poussée hydrostatique qui pousse et qui fait des gros efforts sur des grosses contraintes sur le barrage. Et donc de là il serait remis en sûreté le temps de reconsolider l'ouvrage. L'une des premières phases préparatoires est de vidanger le lac qui est le lac Blanc, le lac Amont, pour permettre de mettre à sec la vanne de vidange et pouvoir opérer au remplacement de tous les équipements. L'eau du lac Amont est évacuée par siphonnage, c'est-à-dire sans énergie. Hein, on prend l'eau, on l'aspire et on va la rejeter dans le lac qui est en aval. Donc naturellement, ce lac se déverse dans le lac Bramant et là, on force le déversement, mais à un niveau inférieur au niveau de la crête du barrage. Le site de l'Étendard est catégorisé comme site classé. Une attention particulière est portée sur la préservation environnementale. Parce que là, donc Bramant, on est sur un lac de prise d'eau potable. Donc le gros enjeu est la préservation de la qualité de l'eau. À l'aval du système de siphonnage, donc on a un système de barrage filtrant qui permet de faire décanter toute matière en suspension qui aurait éventuellement été dégagé par le système de siphonnage. On a également un barrage flottant qui nous permet de retenir éventuellement hydrocarbures. Ensuite, l'aspect zone humide aussi a été pris en compte, ces zones à enjeu pour la biodiversité locale, dans le sens où elles ont été mises en défense pour éviter tout piétinement ou passage d'engin sur ces dernières. Et on a également une mesure de pêche de sauvegarde qui a été réalisée sur le cours d'eau qui relie le lac Blanc au lac Bramant, afin de récupérer les truites qui auraient été piégées lors de l'assèchement de ce chenal. C'est un chantier qui a du sens quand on sait qu'effectivement cette eau elle assure l'alimentation en eau potable de 5 communes au moins et également du domaine skiable des Cibelles, qu'il fallait vraiment faire des travaux de remise en état, de mise aux normes de l'ouvrage et de ses composantes. Le Tour de France féminin pour son ultime étape, passée par le col du Glandon. Retour en images sur ce moment décisif où toute la course s'est jouée.
année, le musée d'archéologie de Valsenis-Solières fête ses 25 ans. Une occasion parfaite pour redécouvrir la grotte de Balm. Le musée d'archéologie de Valsenis-Solières-Sardières fête cette année ses 25 ans. Depuis 1972, bijoux, outils, ustensiles et autres objets en tout genre sont mis en lumière sous les vitrines du musée. Tous les objets présentés ont été découverts dans la grotte des Balmes, grotte située sur la commune de Solières-Sardières. La dernière campagne de fouilles donc, a eu lieu en 1994 et au départ donc, on exposait les objets qui étaient trouvés dans le four communal. Ensuite, donc, dans la chapelle, donc la chapelle Saint-Pierre à Tenente, et puis donc vu l'importance des collections, le musée donc a été construit pour abriter ces collections. Tout ce qui a été découvert donc a été trouvé dans la grotte des Balmes, qui se situe à mi-chemin entre Solières et Termignon et qui domine la vallée. La première occupation de la grotte date du néolithique, entre 3700 et 3600 avant Jésus-Christ, et la grotte donc a été occupée pendant 3000 ans jusque début de l'âge du fer. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on va retrouver, beaucoup de céramique, des objets, donc un dépôt métallique donc, d'objets en bronze, et puis également donc, beaucoup de parures, puisque donc, Solières est un site exceptionnel, puisqu'on a trouvé à peu près 200 parures dans la grotte. En plus des visites libres et guidées, le musée propose de nombreuses activités. Donc, par exemple, on a un atelier graines d'archéologue, donc d'initiation à la céramique, un atelier de fabrication de colliers, et puis des ateliers donc plutôt destinés aux enfants, les petits fouilleurs, donc où on s'initie à la technique de la fouille archéologique et l'étude du matériel ensuite, et puis donc un atelier qui s'appelle la marmaille au musée, où on découvre donc le métier de l'archéologue, donc qui va étudier le matériel, donc depuis le dessin, en passant par le placement donc sur ce qu'on appelle un carroyage. Donc depuis l'année dernière, nous avons créé une petite mascotte, donc voilà, qui s'appelle Jean du Caillou, et puis un texte, donc des textes qui sont plutôt destinés aux enfants. Donc, qui leur permettent de découvrir le musée, je dirais, à leur niveau. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau Maurienne Zap. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!